Je suis née à Malmedy, en Belgique, dans les Ardennes, et j'ai vécu mon enfance à Bellevaux, donc c'est un petit village, il y a quoi, il y a 300 maisons, c'est vraiment tout petit, et j'ai adoré ça, d'ailleurs maintenant je vis de nouveau à la campagne, je suis une vraie fille de la campagne. Je me souviens très bien, quand j'étais gamine, j'allais très souvent dans le jardin chez mes parents sur les balançoires. C'était un truc que j'adorais. Et je me souviens de l'année, je ne sais plus quelle année c'était, quand Céline Dion a gagné à l'Eurovision. Je me souviens que je chantais sa chanson à tue-tête vraiment sur les balançoires. Et ça, c'est vraiment mon plus beau souvenir, je dirais, de ma jeunesse. C'est vraiment quelque chose qui est resté... très fort dans mon esprit par rapport à la musique. Quoi. Ouais. C'est vrai que je chantais très souvent, oui. J'embêtais toujours mes sœurs en partant en vacances dans la voiture. Je chantais toujours. Et c'est quelque chose, je pense, le chant qui s'est fait presque naturellement. La musique est entrée par le biais de mes parents, en fait, qui étaient musiciens amateurs, notamment mon papa, qui était président de l'harmonie du village, voilà. Et donc c'était clair que j'allais rentrer dans cette harmonie. Bon, les filles, c'était plutôt la clarinette. Et donc, j'y suis entrée, et c'est vrai que j'ai tout de suite adoré jouer de la musique ensemble, dans un groupe. Et puis, j'ai commencé aussi à la chorale du village. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très social, comme ça. C'est comme ça que je suis entrée dans ce monde-là. Mon père nous rappelle toujours cette anecdote. Il est toujours très fier de dire que j'ai appris à lire les notes de musique avant de lire l'alphabet. Voilà, pour la petite anecdote. Et c'est vrai que j'ai voulu suivre ma sœur au cours de solfège. Puis ensuite, il y a eu les... Avant les cours de clarinette, j'ai fait un an de flûte à bec. Parce que l'instrument était trop grand, je ne pouvais pas encore le porter. Donc ça a été la flûte à bec, puis la clarinette, puis ensuite le piano aussi à l'académie. Et puis finalement le chant. Tu veux commencer par le... Handel. Le chant m'attirait beaucoup plus parce qu'il y a le côté théâtral, bon, l'opéra, entrer dans la peau d'un personnage, ça j'ai toujours aimé beaucoup jouer la comédie, quoi. On fait un petit déchiffrage. Allez.